Vous savez, évidemment, l'attachement qui est le mien à l'éducation nationale, à l'instruction publique. Vous savez aussi l'importance de la tâche qui nous est confiée par le président de la République, puisqu'il a décidé d'accorder ce que l'ensemble de la communauté éducative attendait depuis longtemps à notre école, une priorité. Ça nous donne une responsabilité particulière. Non pas une énième réforme, il y en a eu de bonnes, d'autres de moins bonnes, mais la refondation de l'école de la République, à un moment où le pays a besoin de surmonter la crise de l'avenir qui le mine. Mes parents étaient enseignants et par conséquent, ils nous ont toujours expliqué que quand on n'a pas de fortune personnelle, la réussite à l'école est la seule manière de s'en sortir. Donc c'est un sujet pour lequel je suis très motivée. Je souhaite bonne chance à Vincent Payon. Je souhaite, vous savez, le meilleur pour notre école, le meilleur pour nos enfants. Et donc nous inscrivons dans la tradition républicaine. L'école continue, la vie continue et c'est le plus important aujourd'hui.